C'est ton allée. Au jardin, je te montre, tu montres les salades et puis je te file le truc. Ça, c'est une allée qu'elle a fait, comment ça s'appelle? Avec des arceaux. Arceau, oui. C'est superbe. Tiens, ici, tu as la passiflore, tu connais? Oui, c'est la fleur du fruit de la passion. Ouais, regarde comme elle est belle. Tu la vois? Et regarde le cactus qui a fleuri ici. Tu vas avoir l'œil partout. Hein. Regarde, tu vois? La plante oh de là là! Tu vois? Attends, je vais te couper ça pour que tu le vois mieux. Voilà. Tu vois? La plante grasse. Ah, oh, j'avais jamais vu. C'est ça. En fait, c'est ça, tu vois? Ah, d'accord. Et là, c'est des roses trémières. Mais c'est ce qu'on appelle les petits choux, là, ça. Oui, oui, oui. Ouais. Et là, les roses trémières, regarde. J'adore ça. Semé par Fabrice. D'accord. Voilà. Et j'en connais un qui serait jaloux. Hein. C'est Monet. Ah, oui, oui. Voilà. Superbe jardin. Alors voilà la verveine. Eh bien, écoute, ta verveine, elle est magnifique. Mais tout ce qui est offert avec amour pousse avec ardeur. Pas vrai? C'est vrai. Voilà, tout ça, c'est Ginette qui me l'a donné. Là. Enfin, les plants. Hein. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire de... De la salade? Voilà, alors là c'est le jardin d'Arlette. Est-ce que tu connais la différence entre une salade et une femme? Ah non. Tu ne la connais pas? Ben, je sais, parce que quand même je sais reconnaître une femme d'une salade. Mais... Eh bien, une femme, il faut la monter pour qu'elle pomme, tandis que la salade, elle pomme, elle monte après avoir monté. Elle pomme après avoir... Et je répète, elle travaille à l'église d'amour. Oh, cette fille. Là, tu as la menthe poivrée derrière toi. Oui, vas-y, l'artichaut aussi, si tu veux. T'as Ginette, il faut couper ça maintenant. Oui, tout ça. Là, ici la menthe. Ah oui. Voyons. Et ces jolies lianes jaunes, qu'est-ce que c'est? Lianes jaunes? Des diplômés? Non, les lianes jaunes. C'est le tuyau arrosant. Même ça est posé. Même ça est posé avec. Là-bas, tu as du rubéquia, c'est magnifique. Oui, tu me dis là-bas, il y a du rubéquia, mais c'est lequel? C'est les jaunes. Ah oui, d'accord. Glaïeul sauvage. Ah, elle m'a demandé si j'en aurais pour vendredi, mais t'en ça t'en as plein à bonus là-bas. Eh oui. Et sur ta droite, c'est mon jardin. Oui, avec les tomates et la salade. Et la fameuse salade que j'ai arrachée ce matin parce qu'elle avait monté. Et qu'elle a donné à tes hauts lapins. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que des fleurs dans ton jardin, il y a aussi des lapins. Ça, c'est la famille au complet, tu vois, là en haut. Là aussi. Ça, c'est papa. Mais moi, c'est Benny, ça. Papa Benny. Ah, bon, d'accord, mais ils sont beaux. Et là, t'as Valentine. Bonjour, Valentine. Et là, c'est... Ben, je m'en rappelle plus. Oh, il est énorme, ce lapin. Violette, oui. Et ça, c'est la famille de Valentine. Ils sont 6 en tout. Et tu t'étonnes que les chiens viennent les bouffer. Ils sont magnifiques, ils sont appétissants. Mais oui, ils sont beaux. On va bouffer le chien après, on est chou. Voilà, et tu termines par les... Par contre, là, l'année prochaine, je départagerai ça pour m'en amener au jardin. Ouais. Parce que tu vois, j'en ai vu un qui fleurissait ici, mais tu regardes.